Pour sa journée portes ouvertes, Planète Lila proposait de partager un pique-nique. Quiche, salade ou jus, tous ont été préparés grâce à la production maraîchère de l'association qui œuvre depuis une quinzaine d'années sur 3 hectares prêtés par le département. Voici entre autres ce que l'on pouvait trouver au menu de ce midi. Dans les caisses, alors là vous avez donc une caisse de concombres, il y a 2 variétés de concombres, les concombres d'ailleurs que vous connaissez d'ailleurs tous dans les magasins. Et puis, cette variété de concombre qui ressemble plutôt à un... Attendez, j'essaye d'en prendre un beau. À un gros cornichon. Et puis, donc des courgettes comme vous pouvez trouver dans le commerce. Mais sauf qu'elles sont bio, puisque de toute façon, il n'y a eu aucun pesticide. Voilà. Elles sont très bonnes, puisque nous avons fait des tartes. C'est dans cette serre qu'ont poussé ces cucurbitacées. Mais Planète Lila propose bien plus de choix, bio évidemment. On a à peu près un équivalent d'une 50aine de paniers par semaine qui sont produits. Un panier, c'est environ 6 kilos. Donc on a une production régulière avec une variété d'au moins 6, 7, voire 8 produits différents dans chacun des paniers. Donc là, par exemple, cette semaine, on a eu aubergines, courgettes, concombres, des groseilles, une salade et pas encore les tomates parce qu'on les attend. Si la première vocation de Planète Lila, c'est le maraîchage, la deuxième tout aussi importante, c'est l'éducation populaire. Jardin partagé, atelier, ligue de protection des oiseaux ou pilates, le bien vivre ensemble y est primordial. Chacun participe à sa manière et apprécie ses moments partagés. Pique-niquer en famille avec des gens très sympathiques, rencontrer plein de nouvelles personnes. J'aime bien la nature et ici c'est un peu comme si on était à la campagne en pleine ville. Ce que j'aime bien, il y a des gens, c'est rigolo, il y a des trucs qu'on peut manger, on peut planter des trucs. C'est agréable parce qu'on est un peu hors du temps, hors du béton, de la ville. Même si je suis seule, j'y trouve un bien-être. Si vous avez la main verte, que vous avez envie de partager de bons moments au grand air, n'hésitez pas à rejoindre Planète Lila qui travaille chaque jour pour maintenir ce petit coin de paradis bio au milieu de la ville et du béton.